C'est vraiment une belle ville, c'est ma ville, quoi. Maintenant, bon, c'est vrai que maintenant je suis Montpellier, hein, mais j'ai toujours gardé un coin de bonheur de Lyon, quoi. Je pense souvent à Lyon. L'OL, pour moi, c'est le deuxième club que je regarde toujours les résultats. Bon, ils viennent dans 15 jours, je suis content. Donc, Lyon commence ici, du plus ancien au plus récent, dans l'ordre alphabétique et par date. Quelques photos du président quand il était jeune, il a une vingtaine d'années à peu près. Il supportait Lyon à une finale de Coupe de France contre Monaco. Voilà. Il y en a combien à peu près de maillots de Lyon là ? Une quarantaine. Les crampons de Benzema quand il joue à Lyon. De Lisandro de l'année dernière. Mon premier match de foot, OL3. OL3 en 55, j'avais 12 ans. Je me rappelle comme c'était hier. Parce que 15 jours avant, il y avait eu OL Racing. Et M. Barlow, là, donc le père de mon copain Gilbert, devait m'emmener, mais bon, partir à pied jusqu'à Gerland, ma mère voulait pas, ça faisait du souci. Et 15 jours après, mon père dit, allez, laisse-le aller voir cette équipe de chèvres, etc. et tout. Je me rappelle OL3. Putain, ça, c'était des grands souvenirs, ça. T'avais Ernie Schulz, l'avant-centre, t'avais Faton, le Suisse, Belver, Nino, Ninel, Antonio. Dans les buts, il y a eu Duval, il y a eu... Ouais, c'est toute la fameuse époque de 52 à 60. Puis après, en 60-61, là, j'étais constamment avec eux parce que c'était des copains. Et vous avez grandi où ? Saint-Paul-les-Romans. C'est à côté de Romans, c'est pas loin de Valence. Mes parents bossaient beaucoup et c'est surtout ma grand-mère qui me gardait. Voilà, point barre. Mais ça arrive tout le temps. Les gens, quand ils bossent... S'il y a des grands-parents qui sont là, enfin, c'était ma grand-mère. Donc, la mère de ma mère s'est occupée de moi beaucoup plus que, ouais, jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Puis après, bon, ben, je suis rentré dans le cocon. Ouais, ils étaient marchands de charbon. Et un jour, mon père a eu la chance, parce que c'est la chance, hein, de rencontrer Édouard Herriot, qui était alors maire de Lyon, lors de grandes grèves d'ordures ménagères. Il avait prêté un camion, enfin prêté, loué un camion pour ramasser les ordures. Il était au volant de ce camion. Et Édouard Herriot l'a remercié en lui disant, vous direz à votre patron que c'est gentil d'avoir prêté son camion, ou loué son camion. Et lui a dit, mais c'est moi le patron. Ah bon? Et qu'est-ce que je préfère pour vous? Donnez-moi du travail. 15 jours après, Édouard Herriot lui donnait les marchés de la ville de Lyon à nettoyer et tout. C'est un coup de cul, parce que des camions, il y en avait ce jour-là. C'est la chance. Et quand on dit dans la vie qu'on a toujours une chance, je pense que c'est vrai, mais il faut savoir la saisir. Voilà. André Laurent, qui me vient à l'esprit, là, c'est quelque chose pour moi. D'ailleurs, il nous a trahis quand il est parti au Stade Français. Mais ça, moi, je ne savais pas ce que c'était que le football vraiment professionnel. Donc pour moi, j'étais énormément malheureux. Et en plus, quand il est venu la première fois à Gerland, 7-1 on a perdu. J'en étais malade. Et je me mets à la place de des gamins qui avaient stage, qui ont mon âge quand j'allais voir l'OL, et qui voient qu'il n'a pas eu de perdre, ils doivent être malheureux. Enfin, bon, c'est comme ça, c'est le football. Non, mais l'OL, c'est vraiment mon club. Vous les aviez connus comment sur les bancs de l'école aussi? Nouzaret, sur les bancs de l'école, il était à la Martinière, moi j'étais au Cours Pascal, c'était à côté. Jimmy Pistilli, qui était un grand espoir de l'OL, il était au Cours Pascal avec moi. Jean Dumas, qui a joué jusqu'en 65, mais malheureusement il s'est brisé la jambe, donc il n'a pas pu continuer, était aussi au Cours Pascal avec moi. Et puis Floridinalo, automatiquement par Nouzaret et tout ça, on était devenus amis. Ouais, lui, malheureusement, il n'allait pas à l'école. Lui, il sortait de la cité de Gerland, mais il était doué au ballon. Hein. Oui. Malheureusement, j'espère qu'ils gagneront le derby. Et j'ai peur contre Saint-Étienne, parce que Olas, à qui je voue une profonde amitié et admiration,
Parce qu'il nous a sorti pendant 7 ans des griffes des Stéphanois. Parce qu'on en a mangé du Saint-Étienne et des Verts. Hein. Enfin, je te le dis. Hein. Ma mère. Bon. Moi, quand j'étais petit, j'allais, on allait les voir là-bas, à Geoffroy Guichard. Maman, on partait en voiture avec M. Barlot, là. Maman, ils ne pouvaient pas nous voir. Tu traversais Saint-Chamond, ça commençait à crier. Remarque, on leur mettait quelque chose, nous, on retour aussi. Hein. C'était pas la haine, mais bon, parce que moi, j'ai rien contre les Stéphanois. Mais dans le football, c'est plus fort que Montpellier-Nîmes. Hein. Un derby fétiche, vous vous souvenez dans... Le premier que j'ai vu, quand on a gagné 1-0 à Geoffroy Guichard, ça devait être en 54, un truc comme ça, but de Ninel, je me rappellerai toujours, 1-0 on avait gagné. Et crois-moi qu'on leur faisait des bras d'honneur. Tu parles, j'avais quel âge? J'avais 13 ans, 50, non ça devait être en 57. 54, je suis né en 43, j'avais 11 ans, non je dis des conneries, 57. On a abandonné d'un coup tout le corpo et toute l'équipe. Corpo est passé en civil. Et on a commencé d'essayer de remonter. Parce qu'on était dernier, je me rappellerai tout le temps, avec 12 points de retard sur l'avant-dernier. Et 14 sur celui qui ne descendait pas. Et là, et c'était dur. Hein. Mais on s'est maintenu. L'équipe Corpo qui a joué avec Condamine, qui avait d'autres avec la paillade, c'est tout. Mais c'était toute l'équipe Corpo. Et puis après, quand on s'est maintenu l'année d'après, ben, j'ai fait venir Dinalo, Auger, Calmette, tout ça. Ah, je reconnais que quand on est monté de division d'honneur en troisième division, ça a été grandiose. Hein. Mais c'est vieux tout ça. Oh. Qu'on avait battu hier à Lunel. Il y avait combat d'un côté avec hier et Dinalo de l'autre. C'était extraordinaire. Hein. Et à l'époque, ça se jouait sur deux matchs aller-retour. C'était la Ligue du Sud-Est. Et ça, ça a été le premier grand plaisir qu'on a eu, parce qu'on revenait de loin, il n'y avait plus de foot à Montpellier, les gens recommençaient à venir un peu voir le club. Je me rappelle à Lunel, quand on a fait ce deuxième match, c'était archi-comble, c'était... Il y avait quoi, 3000 ou 4000 personnes, alors que le stade en contenait même pas 2000. Ah non, mais c'était fabuleux, et là, ça, l'histoire a un peu commencé, là. Mais jamais j'aurais pensé qu'un jour on irait au Parc des Princes ou à Gerland... C'est venu, c'est bien. Mais je le dois beaucoup à Bernard Gasset, quand même. Il savait mon âge, hein. Donc on était potes. Bon, à la fin du mois, je les payais. Ça me faisait tout drôle. Voilà, c'est tout. Il a amené un esprit terrible. Je me rappelle, le premier match, on a joué à Vauvert. Il y avait plus de 4000 personnes à Vauvert. Et après, on allait jouer à Poulon, à Mio. Il y a Dinalo, il était bleu. Et alors, des fois, il y avait des pelouses qui étaient bonnes. À Agde, par exemple, tu avais presque une traînée au milieu où il y a des gens qui passaient en vélo la semaine. Mon Dieu. Là, on a passé une année, c'était dur. Mais enfin, on est monté. Il y avait des joueurs que vous auriez voulu recruter à cette époque-là, que vous connaissiez ou vous êtes pas... Bon, ce qu'il y a de con, c'est que Combin est parti ailleurs. Bon, parce que j'aurais aimé qu'il soit là. Nestor, c'était mon idole aussi, lui. Pouh, ça remonte à haut, ça. Je m'en souviens d'un extraordinaire, c'est en Coupe de France, qui avait Bernard Ducoing, qui était notre capitaine. On avait perdu à Lyon un peu contre le cours du jeu. Et on a gagné au match retour. Mais alors, qu'est-ce qu'on leur a fait? Au Chiesa, au Jodard, tout, de tout. Ils avaient peur. Ils avaient peur, et puis ils ont eu très peur. C'était Jacquet l'entraîneur à l'époque, je me rappelle. Ouais, c'était piquant parce que c'était Nouzaret l'entraîneur de l'époque, à Lyon. En début de saison, je me rappelle, on en avait pris 4. Il m'avait dit, mais il faut travailler, tu verras, ça ira mieux. Quel enculé, j'étais enragé et tout. Mais enfin, j'avais pris Stojkovic, après on était mieux quand même, hein, derrière. Bon, dernier match, c'était le match de la montée, Quignoux comme arbitre, il expulse Baïs à la mi-temps. Oh putain, on a gagné quand même 3-0, bon, ben, ça va. Et sur le terrain ou dans le tunnel, il expulse?
Sur le terrain. Sur le terrain. Voilà, quel paix qu'il y a eu. Mais à la fin du match, on a fait la fête, on l'a emmené avec nous, Guignon, et il disait « je contrôlais le match ». Eh bien, il dit « tu contrôlais, tant mieux ». Ben, enfin, là, ça a compris un truc, que les stars, c'était une belle chose, mais que ces jeunes du centre de formation valaient beaucoup d'autres jeunes. Et il s'y est mis, il a mis beaucoup de jeunes. J'avais espoir pour lui qu'il aille finir deuxième. Mais là, c'est mal barré. Là, c'est mal barré. Je souhaite qu'il la fasse, la Ligue des Champions, parce qu'ils ont plus besoin d'argent que de prière. Ils font leur nouveau stade et tout. C'est vrai que ça passe pour eux par une victoire à Montpellier. Maintenant, c'est mes potes, mais on ne les laissera pas gagner. Hein.